Bon, la structure des protéines. Avant de, bah, parenthèse, Michel, avant de parler de toutes les structures d'une protéine, bah, dire qu'en fait, le terme structure, vous faites attention à ce que quand je parle de la structure, le noyau est une structure qui est obligatoire pour toutes les cellules. شو قصدي فيها هون يعني كأنه عم بحكي بدكم تنتبهوا على الترم ستركتور انا عم بستعمله يعني اوقات بقول لو نويو مثل برجع بعيد لو نويو ات اون ستركتور كي سو تروف دون اوبليغاتوارمون دون توت لي سيلول اوكاريوت يعني هون وكأنه عم بقول كو لو نويو ات ان اليمون اوبليغاتوار دو توت لي سيلول بس كمان Chaque molécule a là une structure. Une structure de la molécule, ou la structure de la molécule, il y a une haïkalite cellule. OK? Il y a le terme structure, c'est un terme, il peut être utilisé soit dans la description d'une chose, soit en fait dans la description structurale de la molécule elle-même. OK? Donc la structure de la molécule, la structure de la membrane. La structure de noyau, donc, il peut être utilisé, donc, généralement, quand il y a marqué la formation, l'organisation, l'architecture de noyau. Mais quand aussi, on peut finir ça en disant que les ribosomes sont des structures qui se trouvent dans les cellules eucaryotes et prokaryotes. Yani, nous kiffons l'utilisation de la terme, du terme structure. Il peut être comme variable. Parce que nous avons dit qu'il y a un peu de temps. Nous avons dit qu'il y a un peu de temps. Mais nous avons dit qu'il y a un peu de temps. Donc, l'utilisation du terme structure, donc il faut faire attention à comment utiliser le terme structure. Mais, يعني كله بيشبه بعضه يعني بس انه par exemple ici on va parler on va ensemble parler de la structure des protéines ou de la structure des protéines يعني comment les protéines sont structurées يعني كيف هن مركبين de la formation de l'organisation de l'architecture des protéines يعني quelque part la structure de la protéine c'est-à-dire l'architecture de la protéine. Il y a différentes structures de la protéine. Il y a différentes structures de la protéine. Il y a différents niveaux d'organisation de la protéine. Tout d'abord, on a ce qu'on appelle la structure primaire. La structure primaire, la structure primaire de la protéine, c'est quoi? C'est l'enchaînement des acides aminés. C'est la séquence des acides aminés dans la protéine. Il y en a un truc, on a plusieurs acides aminés. Ils seront enchaînés, ils seront rassemblés l'un à la suite de l'autre par des liaisons peptidiques pour former la protéine. Alors, la connaissance de ces acides aminés, comment ils sont séquencés, comment ils se succèdent, la connaissance de ces protéines, la définition de ces acides aminés, pardon, comment ils se succèdent dans la protéine, c'est ce qu'on appelle la structure primaire. C'est la séquence, Yannick. Voilà, ça c'est un peptide. Je ne peux pas appeler ça une molécule protéine. Là, non, elle est petite. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 acides aminés. Donc, ces 8 acides aminés, alanine, cystéine, proline, leucine, méthionine, cystéine, phénylalanine, arginine. Donc, c'est un peptide qui est formé de 8 acides aminés. Ces 8 acides aminés, ils ont eu besoin de combien de liaisons peptidiques pour former ces 8 acides aminés? C'est 7 liaisons peptidiques. Voilà, ça c'est une liaison peptidique, ça c'est une liaison. N-1, il y en a 8-1, 7, avec libération de N-1, 8-1, 7 molécules d'eau. Alors, NH2, le groupement amine qui est là, et le groupement carboxylique qui est là, c'est les deux extrémités du peptide que je peux appeler extrémité N du peptide et l'extrémité C du peptide en question. Mais le groupement amine ici de l'extrémité N, c'est le groupement amine de l'alanine. Hein? Il faut faire attention. Là, le NH2, c'est celui, le NH2 de l'alanine. Et le COH ici, à l'extrémité C terminale, c'est le COH de l'acide aminé arginine. Okay?
Voilà, ici, ce peptide, je peux également le symboliser comme suivant avec une seule lettre. Ici, il est symbolisé par chaque acide aminé par trois lettres, mais je peux le symboliser également avec une seule lettre. Alanine, cystéine, proline, leucine, méthionine, cystéine, phéline, alanine, arginine. OK? Alors, entre la cystéine et la cystéine, il m'a mis un pont SS. Pourquoi un pont SS? Là, nous, comme on a dit tout à l'heure et comme on a vu tout à l'heure sur des slides, la slide précédente, que la cystéine, c'est le seul acide aminé qui, ou dans son radical R ou dans sa chaîne latérale, contient un soufre. Donc, si on regarde la chaîne latérale de la cystéine, elle est formée d'un CH2SH. Cystéine, elle est formée CH2SH. Donc, le SH, lorsqu'il s'approche de l'SH, il y a donc la formation d'un pont que j'appelle le pont du sulfure SS. Voilà. Donc, ça, c'est une protéine avec chaque boule un acide aminé qui sont liés par des liaisons peptidiques pour former donc la protéine. Et lorsque je vois un SS comme il est mentionné ici, donc je peux tout de suite conclure que l'acide aminé qui est ici, c'est un cystéine, et l'acide aminé qui est ici, c'est un cystéine. OK? Donc, à l'intérieur de cette protéine, si je regarde n'importe quelle boule, je peux observer que c'est une boule qui appartient à un parmi les 20 acides aminés que j'avais mentionné tout à l'heure. Donc, alors, peut-être il y a des acides aminés qui se répètent dans la séquence. Hein. Évidemment, il y a des. Mais peut-être il y a évidemment des acides aminés qui se répètent dans la molécule protéique parce que akid le 20 acides aminés la wahda ma hayatouni protéine hayatouni protéine parce que hayatouni protéine de 20 acides aminés. Mais moi j'ai des protéines des milliers des acides aminés donc évidemment il y a des acides aminés qui se présente plusieurs fois dans la séquence, comme d'ailleurs ici, la cystéine, elle est présentée deux fois. OK? Donc, la cystéine, elle est présentée deux fois dans ce peptide de 8 acides aminés. OK? Donc, la séquence des acides aminés, l'enchaînement de ces acides aminés à l'intérieur de la protéine, ça s'appelle la structure primaire de la protéine. OK? Donc, la structure secondaire, il correspond... Alors, la structure secondaire, l'acide aminé séquence ou assemblage l'un à la suite de l'autre, dans localement et géométriquement, ils vont faire une forme ou une structure. Yani, correspond à l'arrangement local et géométrique dans l'espace de fragments courts de séquences de la protéine. Yani, quelques acides aminés dans la séquence libérée, elles se forment soit par des liaisons hydrogène potentielles que peuvent avoir les atomes d'oxygène C avec O et d'hydrogène N avec H qui se trouvent dans les liaisons peptidiques. Correspond à la formation des hélices alpha, des feuillets bêta et des segments intermédiaires appelés côtes bêta. هلا اللي بدي اقوله هون يمكن ما كثير فهمتوا علي بكره بالزوم بشرحه اكثر بدي اقوله هون انه انا من بعد ما يكون عندي هون هالاسامبلاج دي اسيد امينيه كوم فوي سي بار اكزومبل عندي هون ان فراغمون دون بروتين كي هي فورمي دو 1 2 3 فوي R1 R2 R4 يعني انا اسيد امينيه 2 3 مبين 4 5 6, 7, 8, 9, 10. Yani, c'est un fragment de la protéine de 10 acides aminés. On a une liaison peptidique, on a une séquence d'acides aminés, mais le fragment, la portion de la protéine, la portion de 10 acides aminés, fait en hélice alpha. Yani, là, il faut avoir une hélice alpha. Ou un des autres fragments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous voyez un autre fragment des acides aminés. Maintenant, 9 de protéines, mais la ne faut pas faire zigzag. Ça, c'est un feuillet bêta. Donc, il y a en fait une forme géométrique locale qui se forme entre les acides aminés après leur assemblage.
yani après leur liaison un par rapport à l'autre, pour donner en fait des formes géométriques, soit des hélices alpha, soit de feuillets bêta. Ok, Heidi, la structure, Heidi, la formation des hélices alpha et des feuillets bêta au niveau de la protéine, ça s'appelle la structure secondaire. La structure secondaire, akid, elle se prend une forme tridimensionnelle lorsqu'elle dispose ou se positionne la structure secondaire. Lorsqu'elle se positionne l'une par rapport à l'autre dans l'espace et elle prend une forme spatiale, donc la structure de la protéine devient une structure 3D. Vous voyez, par exemple, toute cette molécule est une protéine. Protéine. Alors, fille, بتقولولي combien des acides aminés? خلينا نفترض انه فيها 100 acides aminés par exemple. بلشت من هون. La protéine فيها 100 acides aminés, بلشت من هون. هون اول acide aminé. اول 10 par exemple لفوا على بعض عطوني هيليس الفا. رجع في 2 acides aminés عملوا liaison code bêta بسميه. Le code bêta c'est la liaison entre une structure secondaire et une autre. رجع اثنين أسيد أمينة عملوا كود بيتا رجعوا عندي أربع أسيد أمينة لفوا على بعض عملوا إليس ألفا رجع عندي اثنين أسيد أمينة عملوا الكود بيتا رجع عندي 10 أسيد أمينة مجديد بالنفس dans la même protéine عم بحكي dans la même protéine les différents fragments les différentes portions عطوني إليس ألفا رجع كمان 1 أو 2 أسيد أمينة عطوني الكود بيتا رجع عطوني الإليس ألفا الإليس بيتا pardon الفيه باردون رجع عطوني الفيه بيتا دوبل بران يعني عندي بران ورجع مجديد عندي دوبل ان بران ورجع عطوني يعني تو يعني هون كوميان دي فورماسيون سكوندير عندي واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة عندي او سان دو لا ميم بروتيين عندي 5 ستركتور سكوندير 4 اليس الفا اي ان فيه بيتا دوبل بران انتي باراليل دونك au sein de la même protéine, elle est formée à peu près, je ne sais pas, de nombre N des acides aminés, en des 5 structures secondaires, les NNA, comme je peux les observer ici, 4 hélices alpha, 1 feuillet bêta, soit elles sont dans l'espace et ces structures secondaires se positionnent l'une par rapport à l'autre, donc j'obtiens en fait la structure tertiaire de la protéine ou la structure tridimensionnelle de la protéine. La structure tridimensionnelle, yani la structure spatiale de la protéine. Donc, comment se forme la structure tridimensionnelle de la protéine? Le phénomène qui, en fait, permet la formation de la structure 3D de la protéine, yani l'assemblage, l'architecture dans l'espace de la protéine, ça s'appelle le repliement de la protéine, le repliement spatial ou la renaturation de la protéine. Donc, le repliement spatial résulte de repliement spatial final en une forme tridimensionnelle des structures secondaires locales, des hélices alpha et des feuillets bêta, donc c'est la structure 3D de la protéine. La structure 3D de la protéine, c'est la structure obligatoire pour que la protéine soit fonctionnelle. Là, on a parlé toute protéine qui se forme, c'est une protéine fonctionnelle à la base. Il faut qu'elle soit fonctionnelle, il faut qu'elle a une fonction. Il y a une fonction biologique, il y a une fonction structurale. On va voir plus tard. Yani, y a une protéine, elle peut avoir une fonction biologique, comme l'anticorps, par exemple, comme l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est une grande protéine qui forme en fait un rôle de transport de l'oxygène, comme l'anticorps, rôle dans le manéa, l'immunité, comme l'enzyme a un rôle catalytique. Yani, en fait, la structure, l'acquisition, yani, ectiseb, la structure 3D de la protéine, confère à la protéine sa fonction biologique. Yani la protéine, elle n'est pas biologique que lorsqu'elle devient tridimensionnelle. L'acquisition des structures 2D bidimensionnelles, l'hélice alpha ou le feuillet bêta, et 3D, le spatial de la protéine est assuré par des enzymes chaperon. Alors, je fais un des certaines enzymes qui servent de protéine, la tamela repliement heda, ou la renaturation heda pour avoir ces structures tridimensionnelles. Alors, la structure 3D, c'est une structure obligatoire pour la fonction biologique de la protéine. Ok? Il y a une protéine qui a
former ces structures secondaires, une protéine qui a acquéri ces structures secondaires au niveau de ces hélices alpha et de feuilles bêta, mais qui n'a pas, qui ne s'est pas en fait replié dans l'espace en forme 3D, ça reste une protéine qui n'est pas fonctionnelle. Pour une protéine fonctionnelle, il faut obligatoirement qu'elle ait sa structure 3D. Alors, pour certaines protéines et pas pour toutes les protéines, on a des structures, ça met une structure quaternaire. Structure quaternaire, il y a une structure 3D, une structure 3D formée en des plusieurs sous-unités. Voilà. Donc, comme cette protéine, par exemple, cette protéine, en des tertiaires, soit qu'on a des trois copies de la tertiaire, ou quatre copies de la tertiaire, ou cinq copies de la tertiaire, on a des plusieurs copies de la structure tertiaire en forme architecturale, qu'on a une structure optionnelle que je peux donner, ou je peux appeler, ou je peux acquérir à la protéine, ça met la structure quaternaire. Donc, la structure quaternaire, on a des plusieurs copies de la structure 3D formée. OK? Il y a des une seule protéine. La première, c'est la séquence des acides aminés qu'on voyait ici. Le secondaire, fait par exemple en hélice alpha. OK? Fait en hélice alpha, acquis via une autre portion en feuille bêta. La tertiaire, l'hélice alpha ou le feuillet bêta, ils sont positionnés l'un par rapport à l'autre pour former la tertiaire. On a plusieurs copies de la tertiaire, on a la structure quaternaire. Mais l'hémoglobine, l'hémoglobine, nous avons quatre sous-unités. La protéine hémoglobine, elle est formée de quatre sous-unités, deux sous-unités alpha et deux sous-unités bêta. Donc, il y a quatre sous-unités. Donc, l'hémoglobine est une protéine qui possède une structure quaternaire. Mais il faut retenir que la structure quaternaire, ce n'est pas une structure obligatoire pour toutes les protéines. Il y a des structures, il y a d'autres protéines, par exemple, qui basent habituées à d'autres structures tertiaires, mais d'une structure quaternaire. Regardez, par exemple, ce schéma. Donc, la protéine, c'est la même protéine. La protéine, donc, on a mis les zooms. En fait, à la base, la séquence est à la base des acides aminés. L'acide aminé a une forme géométrique locale où il se positionne localement l'un par rapport à l'autre, soit en hélice alpha, soit en feuillet bêta. Donc, ça, c'est la formation de la structure secondaire. Et lorsqu'en fait, la structure secondaire elle se positionne l'une par rapport à l'autre en espace, en 3D, pour former la structure 3D de la protéine. Et la structure 3D de la protéine, s'il y a plusieurs copies de la structure 3D de la protéine, donc en plusieurs sous-unités, donc on a la structure quaternaire de la protéine. Ici, c'est la même chose, vous voyez. Donc là, on dit les protéines en structure 3D, ben, ça amène les zooms. On fait des fragments de cette protéine, ils sont en hélice. Des fragments de cette protéine, ils sont en une structure qui n'est pas définie. Mais pour que l'on compte, il y en a en une coude, par exemple, qui est là, des structures de la protéine qui sont en feuillet. OK? Donc, structure secondaire, feuillet bêta, hélice alpha et feuillet bêta forment les structures secondaires de la protéine avec les coudes. Les coudes, c'est les fragments qui lient les hélices avec les feuillets. Et en tout, en gros, lorsque toute la protéine prend son architecture finale spatiale, c'est la structure tertiaire de la protéine. Alors, qu'est-ce qui définit? On sait très bien qu'il y a des milliers de protéines. Les milliers de protéines qui sont toutes composées à partir des 20 acides aminés qui se trouvent dans la nature. Mais ces milliers de protéines, des milliers et des milliers de protéines qui se trouvent dans la nature sont différentes de point de vue structure et sont différentes de point de vue fonction biologique acquise. Là, nous, quelle protéine a une fonction biologique différente, l'âge. Là, nous, on a une structure différente acquise. Ou l'âge a une structure différente par rapport à la réelle protéine. Là, nous, séquence d'acides aminés est différente. Yani, à la base, qu'est-ce qui définit la structure 3D et la fonction biologique de la protéine? Pour chaque protéine, c'est la séquence d'acides aminés à la base. Quel enchaînement différent d'un acide aminé donne une structure 3D différente et donne une fonction biologique différente? OK? Donc, ce qui définit à la base la structure et la fonction biologique des protéines, c'est l'enchaînement des acides aminés.
Maintenant, le processus par lequel en fait passe la protéine pour avoir sa structure 3D, c'est plutôt la dénaturation, la renaturation, pardon, ou le repliement de la protéine. Alors, si on fait la dénaturation de la protéine, on casse la structure 3D de la protéine. Le terme dénaturation de protéines, c'est-à-dire en fait la cassure de la structure 3D de la protéine. Alors, quand je casse la structure 3D de la protéine, je perds sa fonction. Je perds sa fonction, je la rends une protéine qui n'est plus structurée. Mais ça ne veut pas dire que c'est une protéine qui est hydrolysée. OK? Il faut faire attention. Une protéine dénaturée, elle garde toujours sa séquence d'acides aminés. Elle garde toujours ses liaisons peptidiques qui lient les différents acides aminés l'un à l'autre. Mais elle est dénaturée, elle a perdu sa structure 3D. Non, une protéine dénaturée, si je peux faire la renaturation, je peux de nouveau avoir sa structure 3D et avoir sa fonction biologique. Comment je dénature une protéine? Je chauffe la protéine. Par exemple, mets un pH extrême à la protéine. Donc, la protéine, elle perd sa structure 3D et lorsqu'elle perd sa structure 3D, tout de suite, elle perd sa fonction. OK? Mais je répète, la dénaturation de la protéine, ça ne veut pas dire en aucun cas la dégradation de la protéine ou l'hydrolyse de la protéine ou la cassure des liaisons peptidiques de la protéine. OK? À la classification des protéines, un des plusieurs protéines, il y a protéines, comment je peux les classer? Acquis des milliers de protéines, comme je disais tout à l'heure, mais il y a des protéines qui sont en fait des protéines fibreuses et des protéines globulaires. Alors, protéines fibreuses, je m'en étais, non. La protéine, elle peut avoir sa structure secondaire. Elle peut avoir sa structure secondaire. La protéine, il y a des fragments de la protéine qui s'enroulent en hélice alpha. Il y a d'autres fragments de la protéine qui se positionnent en hélice en feuille bêta. Mais globalement, dans l'espace, la protéine, elle reste fibreuse, elle reste allongée. Donc, c'est une protéine qui reste allongée. Qui reste allongé, qui reste par exemple en hélicoïdal, enroulé en hélicoïdal. Il y a un micro-ressort. Micro-ressort, maintenant, ressort, très le ressort de Tawil Demkon, où il y a des boules des acides aminés. La fois abandonne à tourner chaque ressort en hélice alpha hélicoïdal, parce que dans l'obtour, la protéine, elle ne s'est pas positionnée dans l'espace en forme globulaire. Elle est restée fibreuse. Le protéine fibreuse, dans ce cas-là, بيكونوا سورتو ان رول ستركتورال ما بيلعبوا رول فونكسيونيل يعني بيدخلوا بالستركتور دو لا سيلول يعني مثل ما تتخيلوا السيلول هي شامبر هي اوضه هي غرفه وبتتخيلوا انه العمود والجسر تبع هالغرفه هول هن سيسون دي بروتيين فيبروز يعني الانتر دون لا ستركتور لارشيتكتور بهيكليه السيلول دي بروتيين فيبروز الانتر سورتو ال انترفيان دون لا فورماسيون دو لا ستركتور دو لا سيلول ال انترفيان pas dans la fonction de la cellule. OK? La protéine fibreuse, surtout aussi, se trouve au niveau extracellulaire de la cellule. Dans le milieu extracellulaire, ils sont insolubles dans l'eau et ont un rôle de protection. La kératine ou le collagène, la kératine, c'est une protéine qui est fibreuse, qui enroule les cheveux, ou le chahra, ou le partie à protection des cheveux. Les cheveux ou le collagène, donc ce sont des protéines fibreuses, ce ne sont pas des protéines globulaires. OK? Alors, peuvent être intracellulaires, comme la myosine ou tropomyosine, quand même au niveau de la fibre musculaire, la cellule musculaire. On sait aussi qu'il y a des fibres, qu'il y a des protéines actines myosine, du foot, du bardon, la musculaire, la contraction, du bardon, en bardon, la musculaire, le relâchement. Donc, les protéines whole, ce sont des protéines fibreuses. Donc, ce sont des protéines fibreuses. D'autres protéines, les protéines globulaires. Protéines globulaires, il y en a une échelle généralement, en gros, globalement, en donne sphérique, comme l'hémoglobine, comme l'anticorps, comme l'enzyme. Ce sont toutes des protéines globulaires, ce sont des macromolécules globulaires sphériques. Rôle, surtout rôle, rôle fonctionnel, mais un rôle structural. Donc, un rôle structural, il est pour les protéines fibreuses, rôle fonctionnel est pour les protéines globulaires. Il y en a. Les protéines globulaires se trouvent généralement dans le milieu aqueux, noyau hydrophobe et surface hydrophile. Ont un rôle varié comme le catalyse, enzyme, hormone,
défense, récepteur, adhésion, contrôle génétique, ils sont. Donc, on va voir plusieurs types de protéines globulaires. Alors, quand même, on peut classer les protéines selon leur fonction. On dit les protéines structurelles et soutien, mettre le collagène, mettre la kératine, qui t'embête. Pour les protéines structurelles, il y en a des protéines qui ont un rôle de structure, ce sont des protéines fibreuses. Pour les protéines catalytiques, pour les enzymes, ce sont des protéines globulaires. Je classe différemment les protéines selon, dans ce cas-là, leur fonction. Les protéines régulatrices, ce sont des hormones globulaires. Les protéines responsables d'un travail mécanique, le courant cytoplasmique ou le endoplasme, ça, c'est des protéines fibreuses. Les protéines immunitaires, anticorps globulaires. Les protéines ligands globulaires. Les protéines transport comme l'hémoglobine, ce sont des globulaires. Les protéines impliquées dans le décodage de l'information génétique, l'histon, también, ce sont des protéines globulaires, des protéines, d'autres protéines qui sont impliquées dans l'adhésion, la perméabilité et tout ça, ce sont des. Donc, il y a différents types de protéines dans la cellule, dans l'organisme, et chaque protéine, elle a un rôle. Soit un rôle fonctionnel qui donne une fonction biologique, soit un rôle structural qui intervient dans la structure de la cellule. Alors, je peux classer les protéines également selon leur composition. On dit les holoprotéines, ce sont des protéines qui ne contiennent purement que des acides aminés. Alors, tout le docteur est maintenant qui est acquis. On s'amuse les holoprotéines. Les holoprotéines, il y a des protéines à des acides aminés. Parce qu'il y a, à part de ça, il y a d'autres hétéroprotéines. Hétéroprotéines, il y a des protéines qui sont un ensemble d'acides aminés, des résidus d'acides aminés. Il y a un autre groupement qui est venu accrocher à cette protéine ou à cette holoprotéine. Il y a dans ce cas-là une apoprotéine. Le hopsamib, groupement prosthétique, pardon. Yani, masalan, et si, par exemple, on dit un glucide, si j'ai un glucide qui vient s'accrocher à un ensemble, à une protéine qui est formée d'un acide aminé, d'un ensemble des acides aminés, c'est rendu glycoprotéine. Voilà, donc ça, c'est une hétéroprotéine. Aslan degré. Les glycoprotéines, c'est une hétéroprotéine qui est formée d'une protéine et d'un glucide. Ou le masalan, une métalloprotéine, c'est une hétéroprotéine qui est formée d'une protéine et d'un métal. Ou une phosphoprotéine, c'est une protéine qui est formée d'un, c'est une hétéroprotéine, pardon, qui est formée d'une protéine et de phosphate. Ou le masalan, une lipoprotéine, c'est une hétéroprotéine formée d'une protéine et un lipide. Donc, à part les holoprotéines, les hennes purement acides aminés, il y a d'autres protéines qui sont hétérogènes. L'IBG a un groupement prosthétique et qui vient s'accrocher à ces protéines. OK? Bon, je vais m'arrêter là. Donc, j'ai terminé avec les protéines. La prochaine fois, je continue avec les glucides et ensuite, j'enchaîne avec les lipides. Alors, en tout cas, n'est-ce qu'il y a une séance Zoom, il y a un peu de temps, 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 il y a un